Je m'appelle Aurélien Beck et je suis responsable logistique. Responsable logistique, ça consiste en faire en sorte que la bonne marchandise arrive au bon endroit, au bon moment. Mon objectif, moi, c'est que les clients de nos clients soient satisfaits et qu'on atteigne la rentabilité pour la pérennité de la société et aussi que l'ensemble de mes collaborateurs travaillent en sécurité. Je me déplace d'entrepôt en entrepôt pour aller voir mes équipes afin de vérifier que le travail qu'elles effectuent est bien en corrélation avec les besoins du client. Je vérifie que l'activité sur laquelle ils travaillent actuellement est bien en phase avec le cahier des charges que le client nous a donné, parce que des fois le client pourrait dévier aussi, et que nous, on a bien mis les moyens supplémentaires pour satisfaire ce client. J'aime bien être proche de mes équipes opérationnelles pour ressentir quand il y a un malaise ou quand justement tout va bien. Et c'est important pour moi d'aller voir ces personnes-là pour les féliciter quand le travail est bien fait. Le management, pour nous, c'est 80% du bien-faire du service client, quoi. Après, je travaille en parallèle sur les appels d'offres pour répondre et rentrer des nouveaux clients. Les qualités qu'il faut pour être un bon responsable logistique, c'est de faire respecter les règles, notamment de sécurité au sein du site, de savoir écouter nos clients, pour savoir répondre à leurs problématiques, quitte à remettre en cause nos processus, à faire des études pour changer nos modes opératoires, et puis d'être un manager et un leader pour arriver à fédérer les équipes. Sur l'ensemble des sites, sur les 100 000 m² avec les 200 personnes avec qui on travaille aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui se passe à droite ou à gauche et il faut toujours être présent pour répondre aux problématiques et encourager le personnel. C'est quand même une certaine reconnaissance quand on nous dit que les gens sont contents de venir travailler et que le client nous dit qu'il est content du service.